Et voilà, nous allons arriver en Corse pour faire le GR20. Et oui, nous allons nous appeler le GR20, mais avant, ça n'a pas été de tout repos ce petit voyage, il y a eu tout ça. Donc voilà, on est parti pour faire 180 km avec Vincent, que vous allez voir durant tout ce petit voyage. Comment tu le sens? Mais large. Mais large. Tellement pas. Hyper large. Bon, en fait, on va le faire en 5 jours, donc on va tripler toutes les étapes. Normalement, il faut faire ça en 16 jours, ils conseillent les gens sérieux. Mais nous, on va le faire en 5 jours, enfin, du moins, on va essayer. On vous propose de suivre toute notre aventure, ça va se dérouler en 5 vidéos, une étape par jour. Allez, c'est parti! Et voilà, il est 5h30 du matin, c'est parti pour le GR20, on est lundi, et c'est notre toute première étape. Pour l'instant, tout va bien. Mais on est parti pour en chier parce que ça commence direct dans le dur. Allez, go! Et voilà, le jour se lève. C'est un super panorama qui s'offre à nous. Mais en même temps un paysage un peu désolant parce qu'ici tout a cramé. Allez. Donc rappel extrêmement de vigilance quand vous prenez ces sentiers parce que ça va très 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 vite. Là il y a 1500 hectares qui ont cramé et les canadaires ont dû arroser pendant 4 jours. C'est ce que nous disait le taxi hier. Donc c'est pas rien quand même. Et voilà, premier sommet. En 1h30 à peu près, donc ça fait à peu près 1000 de D+. Enfin, premier sommet, premier col. Et on en prend plein la gueule quand même. On est pas bien là, mon tatin? On arrive au premier refuge en 3 heures pile. Alors bon, ce refuge il a brûlé par contre, donc c'est devenu ça dans la petite cabane. Allez, on va aller voir ce qu'il propose. Bon, c'est vraiment bien foutu un truc. Petit WC toilette sèche. Là il y a des douches. Là, il y a des petites tentes installées un peu partout. Premier petit déjeuner, on se met quand même plutôt bien avec le petit café, la petite tartinette, le petit jus d'orange, la petite biscotte. On est pas mal. Bon, on ouvre leur partie depuis une demi-heure environ. Et puis on se tape tout de suite de jolies joyeuseries quoi. On est bien ? On est bien. On est bien. Bon, on était prévenus. Mais je m'attendais pas à ça. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est presque à la queue leu sur le sentier. Comme nous on va plus vite. Parce qu'on est plus léger, hein. Pas parce qu'on est meilleur. Et ben. Ça fait que les gens sont obligés souvent de se pousser pour qu'on puisse passer. Mais c'est quand même super chouette. Sec. Pente douce, t'inquiète. Technique un peu. Bon, c'est un peu dangereux, mais je filme parce que sinon les gens ne croiront pas qu'on a fait ça. C'est un truc de malade, de débile. Débile! Attends notre tour. Oh, putain! Chute de pierre! Et voilà, un des petits kiffs de ce parcours, c'est quand tu vois le refuge. Là, il est juste en bas. Et il est midi 20. J'avais dit qu'on arriverait à midi et demi. Ha! Le mec est bon. Est-ce qu'on n'est pas bien là, mon Tintin? Si, on est bien, on est bien, on est bien, on est trop bien, mon Tintin. Ah oui, mais on fait le GR20. Ah d'accord, bon, ouais. Bon courage à vous. Merci. Passez pompon, les carillons, les portes sont ouvertes.
Stylé. T'entends? Rien. Rien. Ah, ça fait du bien. Bon, ce qui fait un peu moins du bien, c'est que là, on va par là. Je sais pas où on va. Parce que là, je vois pas où. On part bien, on avance et puis on suit. Voilà. Puis on verra bien. Alors attention, on arrive au sommet. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pop, pop, pop. Ah, c'est bon, putain. Ah, allez, maintenant que de la descente, et on arrive au refuge. Et voilà. Une heure de descente pour rejoindre le refuge qui est juste en bas. Ce sera notre dodo pour la nuit. On est comment là? On est bien, une petite bière, on rentre. Moi j'ai quand même le gigoût de trop. Ouais, c'est le... un goût de revient si vite quand même. Ouais. Enfin, pourtant j'irais bien là-bas, là. Là, faire là. Bon voilà, nous voilà arrivés au refuge à Asco. On va passer la nuit ici, c'est tout confort, il y a la 4G, on peut payer par carte bancaire, on peut prendre à manger, le petit déj, la douche. J'espère que la douche est chaude par contre. C'est une station de ski ici. Je savais pas qu'on pouvait faire du ski en Corse. Voilà, on apprend des choses. Pendant que le petit drapeau flotte dans ma gueule et me fait chier. Bah écoutez, nous on va aller faire tout ça, et puis je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, journée 1 terminée. A ciao les copains, bonne nuit, à demain.